en 1980. Il devient la propriété du Conseil général de Charente-Maritime et la vedette internationale de l'émission télévisée Les Clés de Fort Boyard. Non, aujourd'hui c'est bien, hein. Il n'y a pas de vent, c'est bien. On a trouvé un bon moment pour le faire. Bon, c'est plein comme là. Ça fait difficile. Oh, où c'est taché là, c'est les vagues qui ont taché là. Ah ouais, il y a la télé, c'est bon.